quoi. Pendu. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo. Là on est parti faire un coup du matin, regardez si c'est pas beau ça. Voilà. Là, c'est superbe, joli, on va essayer de faire quelques truites. On est en seconde catégorie. On est une semaine après la fermeture première catégorie. On va pas trop porter après. Voilà, donc là c'est les derniers moments, elles ont pas encore commencé à se reproduire chez nous. Donc on sait qu'on a encore 2, 3, 4 semaines maximum pour pouvoir empêcher encore. Et puis après on va les laisser un peu tranquilles. Donc on profite encore de ces derniers instants pour essayer de prendre un joli poisson, encore un joli poisson. Parce que moi je suis bloqué à 48 cm en fario cette année. Et Alexis n'a pas fait des très grosses, donc on va essayer de faire une jolie truite. Il y a du très très joli poisson à faire ici. 60 passé, large. Donc on va essayer d'en faire. Allez. C'est parti. On va pas tarder à commencer. Ouais, on attaque juste après là. Mais faut pêcher le dessous là un peu là. D'accord ? Quoi ? Ah merde, fais chier. Accroche dans un rien. T'es accroché où? C'est un poisson? Oh putain Alexis, t'as un barbeau là. Soit t'as un méga truc, soit t'as un barbeau. Ça remonte le jus. Oh putain, c'est quoi? T'es sérieux Alexis? Tu te fais défoncer? Ouais. Faut pas que ça prenne le jus. Tu peux rien faire. C'est un barbeau, je suis sûr. Si c'est un barbeau, tu me... C'est pas une truite là. Ouais, c'est un barbeau. Par le dos. Par le dos en plus hein. Et c'est pas outil hein. Bon, adieu les truites ici. Là, il faut... Il y a un barbeau à sortir. Il l'a pris par la veste. Là, tu nous bousilles tous les spots. Parce que par la queue, c'est encore pire. Te fais pas péter. Parce que là, il vient de comprendre, là. Ça, il faudrait une épuisette là quand même. Il a pas aimé. Décroche-le, bien. Moi, je fais une belle photo avec ça. Il est gros. Quand même. La canne est trop chère. La canne, ouais, là, elle est au max. Hein? Allez. Je tiens bien moi. Ça va? Il pèse. Hop là, boum. Ouais. Il va se poser là dans pas beaucoup de... Premier poisson. Bon, pas très homologué tout ça, mais... Le bloc, au moins là, le Baya, elle a pris... La canyon, elle a pris... T'es au max, hein. Ah là, t'es au max, mon gars. Tu peux pas faire plus au max. J'ai bien géré avec... Bon, tant qu'on est de ce côté, on fait le courant là, puisque là, on l'a flingué. Et après, on montera. On peut même faire la veine, là. Oui, oui. Peut-être que j'ai... Au début, je croyais que j'étais au fond, mon gars. Mais oui, j'ai vu. Ça a le fil, comment ça se levait, mon gars. J'ai rigolé.
Regarde, elle est descendue là, j'ai l'impression. Regarde, elle est en face là. Après, est-ce qu'elle remonte ou pas? Ça, faut regarder dans les cailloux. Faut surveiller dans les cailloux et j'ai l'impression qu'elle remonte. Elle remonte. Vous voyez là, on le voit. Ça rentre dans les cailloux, ça rentre vers l'intérieur des terres et ça se faufile entre les cailloux là. Ça, ça veut dire que la rivière remonte. Ouais, ouais, elle remonte. Donc on va pas tarder à retraverser, d'accord? Bon, ça va, hein, ça monte pas non plus super vite. Hein, mais... T'as une fiche? Bien, c'est joli. Je la vois pas. Ah ouais, une truite. Bien joué Alexis. Ah mais je te dis, attends, on monte d'eau en plus là. Elle est jolie. Elle a des belles couleurs. Je te fais une petite photo. Si tu la décroches pas avant. Hop là, elle par la bouche au moins. T'as un petit mal ça. Ouais, un petit mal. Tout petit. Hein. Bien joué. Moi j'aurais fait un wolf. Un bon wolf, toujours mieux que le carnat. Hein. Ouais, c'est clair parce que. Bon longtemps, mais... Voilà, le carnat c'est mort de chez mort depuis mai. Alors bon. Un bon longtemps. Ah oui. Loupé ? Ah ouais ? Merde. Loupé pour Alexis. Je sais pas ce que c'était. Encore un barbeau ? T'es sérieux ? Non, c'est barbeau, elle rush comme ça et ça tient au même endroit, c'est barbeau. C'est barbeau. Ouais. T'es sérieux Alex? Moi, je pense que j'ai touché, c'était un barbeau aussi. Hein. Ouais, oui, il y avait un banc là, on est passé dessus. Ouais, il... place, ouais. Tu te fais violer, Alexis, fais violer. Ah, il est fat, hein. Ouais. C'est un barbeau, oui. Ah, putain. On va faire que des barbeaux. Ouais, toi, ouais. Ah, tu y vas comme un porc. Hein. Ah ouais, ouais. Tu vois, tu l'as pris par la gueule. Tu l'as pris par la gueule. Par la gueule. Par la gueule. MDR, il l'a pris par la gueule. C'est pour ça qu'il est facile à faire venir. Ouais. Parce que tu l'empêches. Okay. On dirait un requin avec la dorsale. Ah là, il chante le frein. Deuxième barbeau. Ah, c'est drôle. Hein, ouais. Moi, si j'en ai touché un là. Bon, après, tu le fais venir quoi. Parce qu'il est par la gueule. Ouais. Par le dos, tu sais, t'arrives pas à le monter en surface. Ah ouais, en plus, tu y vas quand même pas. Hein. J'ai mal au bras, hein. À ce point. Eh, c'est... Il est joli quand même. Hein. Par la bouche. Là. Attends, je prends une photo du barbeau par la gueule. Putain, je suis obligé de sortir le téléphone, j'aime pas ça. Deuxième. Ah là là. Fais gaffe de pas péter la canne s'il part d'un coup de l'autre côté. Il va démarrer. Il est pas fini. On le fait pareil, on le remet. Hein. Au bord. Ouais, non, mais je lâche de suite. On est obligé de le mettre au bord, on a pas plus. Il est plus joli même. Il est encore plus gros, ouais. Oui, c'est ça. C'est bon, je t'en occupe. Il est un peu trop petit. Il est plus gros. Ouais.
Seule des grosses. Et deux. C'est plus tout seul. Il est joli lui aussi. Oh, il est en pleine forme. Il est par la bouche et tiens, il est venu vers toi. L'air. Il était piqué de ses entrecroisés, il pouvait pas se décrocher lui. Après, heureusement, je dépose une chance comme ça en plus. Hein ? En vrai, j'avais une chance comme ça. Oh putain, j'avais un gros truc. Je sais pas. Ça a démarré de suite. C'était gros. Tout ce que je sais, c'est que c'était gros. Oh, Alexis a une truite. Bien joué. Putain, il me fout une branlée, Alexis, aujourd'hui. Joli, joli, joli. Mal, yes. T'as attends, vu comment elles sont ouais. Elles ont des croix limite, on dirait des coloris de saumon, tu sais. Ouais. Ouais, c'est pas étonnant hein. C'est pas étonnant. Putain, c'est une truite hein. Ça, oh oui, elle est belle. Yes, Alexis. Ah, okay. Tiens, tu me fous une branlée. Elle est belle, ouais. Ah, t'as un beau joli morceau là. Voilà, t'as ta belle truite hein. Ouais, 40-42. Ouais. Elle devait être dessous là. Elle est belle, ouais. Ce matin. Putain ouais elle est belle. T'as vu les couleurs qu'elle a elle. T'as vu ça dépend lesquelles hein. C'est une femelle. Ouais une belle femelle. Boum. Elle est repartie où. Regarde qu'elle est pas dans le... Ouais parce que là, je la vois pas. Bon, on va pas trop marcher là. Ouais. Yes. 5-0. T'as le bon leurre. Hein. T'as clairement. Laisse-moi passer devant au moins. Ça fait mal au cul, quoi. Ouais, ça fait un peu mal. Hein. Ah, pourquoi pas. Quoique, non, si tu passes un autre leurre, tu vas faire une autre truc. Tu l'as faite. Elle était belle en plus. J'ai fait deux gros barbeaux. Ah ouais, c'est très négligé les couleurs flash pour la truite. Mais c'est extrêmement efficace. Hein. Hein. Ouais, bah c'est là. Orange fluo, jaune fluo, c'est là où on fait les plus gros poissons. Hein. Merde, ça a pété. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance. Attends, c'est le gâteau sur la. Tu l'aurais perdu, mon gars. Tu l'aurais tué. Là, j'ai de la chance. Hein. Pas grave, il y a un super spot là. Ah oh, putain, décroché. Non. C'était joli, c'était une truite. Dégoûté. J'ai la poisse. C'est une belle truite. Ah!